Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. J'ai choisi de vous partager deux recettes en même temps avec des champignons de Paris. J'ai choisi une belle barquette des champignons de Paris et bien sûr j'ai choisi des champignons de petite dimension ou bien des petits champignons de Paris. Donc voilà que j'ai pris le soin de bien les éplucher ou bien enlever la peau. Vous pouvez même donc passer juste un torchon propre pour nettoyer donc vos champignons. Voilà. Une fois mes champignons sont bien nettoyés, je réserve de côté. Dans un saladier, donc je mélange bien environ 100 g de farine avec un verre d'eau froide. Voilà, à l'aide d'un fouet, je mélange très bien mes deux ingrédients. Une fois bien mélangé, j'ajoute un œuf entier. Je mélange encore. Une fois bien mélangé, j'assaisonne avec du sel, des herbes aromatiques séchées, de poivre blanc, des herbes de Provence, épices barbecue et du curcuma. Je mélange bien à nouveau et bien sûr vous pouvez ajouter les ingrédients qui vous conviennent. Vous pouvez assaisonner à votre convenance. Je trempe bien mes champignons dans le mélange. Voilà, regardez la consistance du mélange. En fait, c'est comme la pâte à crêpes. Voilà, je mélange très bien. Et je vais les frire dans de l'huile bien chaude. Une fois mes champignons sont bien dorés, je les dépose dans une assiette. Voilà. Passons à la deuxième recette de préparation de mes champignons. Donc, dans un ramequin, j'ai mis 2 œufs. J'ai assaisonné avec du sel, de poivre. Des herbes aromatiques, des herbes de Provence, du curcuma et épices barbecue. Je mélange très bien. J'ai utilisé en fait le même assaisonnement. Vous pouvez ajouter donc les épices qui vous conviennent. Je trempe mes champignons dans les œufs battus. Ensuite, dans de la chapelure.
Je réserve dans une assiette au minimum 1 heure au frais pour que la chapelure se tienne très bien. Après 1 heure au frais, pareil, je vais frire mes champignons bien panés dans de l'huile bien chaude. Mes champignons sont bien dorés, sont bien frits, donc je les mets de côté et je mets la deuxième partie. Voilà, mes champignons sont bien prêts. Je les ai accompagnés avec de la salade, donc j'ai utilisé de la roquette. Voilà, c'était donc ma recette pour vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, des champignons de Paris panés et les beignets de champignons. Donc, j'ai associé les deux recettes dans une seule. Voilà, pour satisfaire tout le monde et pour vous donner des idées. Donc, des recettes rapides pour l'été. J'espère que ma recette vous a plu. Donc, je vous donne rendez-vous pour d'autres recettes prochainement. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.